vraiment par le Saint-Esprit, Olga. Poussée par le Saint-Esprit. Je me suis dit, tiens, j'ai jamais prié autant comme ça. Donc, je pars dans ma journée de travail. Et quand je pars, je sors tout de suite, j'ai une douleur qui me prend sous le sein gauche. D'accord. Mais tu sens comme une flèche. Et Jésus a encore fait des grandes choses dans ma vie. Et aujourd'hui, je vais témoigner de comment j'ai reçu la guérison divine sur la maladie qu'on appelle la tension artérielle. D'accord. Voilà, avec un traitement à vie. D'accord, voilà, c'était de l'hypertension. Voilà, c'était de l'hypertension sévère. Et le Seigneur, on a décidé autrement, puisque le médecin m'avait diagnostiqué tension artérielle avec un médicament à vie. D'accord. Que j'ai pris, puisqu'on respecte les médecins. Mais Dieu, on a décidé autrement. D'accord. Non seulement Dieu en a décidé autrement, moi-même, j'avais décidé que ce n'était pas possible. Que ça n'allait pas rester. Alors, que ce n'était pas possible que je porte cette maladie à vie. Amen, amen. Shalom, shalom à tous. Bienvenue à notre émission. Shalom, Carole. Shalom, shalom à tous. Alors, tu vas bien? Oui, et toi? Amen. Je vais très bien aussi. Alléluia. Alléluia. Alors, nous sommes dans notre émission. Un jour, une histoire, un nouveau départ et un témoignage. Nous sommes là pour célébrer l'Éternel avec Alléluia. Vous. Et connectez-vous parce qu'il y a un puissant témoignage que nous allons partager. Et nous sommes sûrs que Dieu va encore vous faire du bien. En tout cas, nous savons une chose, c'est que nous sommes venus avec le Dieu de miracles. Amen, amen, et amen. Et il va trancher, alléluia, amen. Sur ta situation. Amen. Parce que c'est un juge juste. Amen. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Bouge, bouge chez toi, bouge. Oh, hey. On y va. Bonjour à tous, bonjour Carole, comment bonjour, tu vas? Bonjour Olga, bonjour, ça va? Je vais bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Oui. Tu es toute belle, bien habillée. Merci beaucoup. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui, toujours dans notre émission Un jour, une histoire, un nouveau départ et un témoignage. Alors, bien sûr, le principe de cette émission, c'est de témoigner pour la gloire de l'Éternel. Et voilà. Donc, n'hésitez pas avec cette nouvelle émission à vous connecter à ce témoignage suivant vos besoins et vous verrez assurément le Seigneur va faire quelque chose dans vos vies. Amen, alors, Carole, amen. Alors dis-nous. Oui. Cette nouvelle émission, alors, a pour titre, si je ne me trompe pas, tu me corriges, guéri d'une maladie incurable, c'est ça? Eh oui, Olga. D'accord, c'est tout un programme. Hein. Ouais. Alors, intéressant, hein? Intéressant, très intéressant. Et si je ne me trompe pas, incurable, ça veut dire qu'il ne se guérit pas. Oui. Donc ça promet encore aujourd'hui. Restons connectés. Amen. Alors, amen. Carole, par rapport à ça, qu'est-ce que tu as à nous dire? Ben, par rapport à ça, j'ai à vous dire que le Dieu de miracles a tranché. Amen, amen, amen. Voilà, d'où le chant. Le Dieu de miracles a tranché. Nous sommes venus avec le Dieu qui sauve, son nom est Jésus. Et Jésus a encore fait des grandes choses dans ma vie. Mmh. Et aujourd'hui, je vais témoigner de comment j'ai reçu la guérison divine. Amen. Sur la maladie qu'on appelle la tension artérielle. D'accord. Voilà, avec un traitement à vie. D'accord, voilà, c'était de l'hypertension. Voilà, c'était de l'hypertension sévère. Et le Seigneur, on a décidé autrement. Puisque amen. Le médecin m'avait diagnostiqué tension artérielle avec un médicament à vie. D'accord.
que j'ai pris, hein, parce qu'on respecte les médecins, mais Dieu en a décidé autrement. D'accord. Non seulement Dieu en a décidé autrement, moi-même, j'avais décidé que ce n'était pas possible. Que ça n'allait pas rester. Alors, que ce n'était pas possible que je porte cette maladie à vie. Amen, amen, amen. Voilà. Alors, est-ce que tu peux un peu nous retracer comment, comment ça tout a commencé, en fait? Oui, bien sûr. Et donc, je suis dans une période, je suis chrétienne. Voilà, quand ça arrive, voilà, je suis chrétienne. C'est ça. Je vais à l'église, je sers dans mon église, et voilà. Et donc, il arrive que c'était dans une période où ça n'allait pas fort. Voilà, ça n'allait pas très fort. Des soucis un peu de tous côtés, soucis familiaux, soucis au travail. Voilà, des soucis un peu dans tous les domaines. Voilà, financiers, des soucis, des soucis, quoi. Mmh. Et donc, à l'époque, comme j'étais beaucoup quelqu'un de fragile, je portais tout et tout voilà, ça. Tout impacté, voilà, tout impacté. Je me disais, mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi comme ça? Donc, tu penses que ça a pu agir dans ton état de santé? Oui. D'accord. Pourquoi? Je vous expliquerai après. Parce que vous savez, quand la Bible dit « le diable vient pour voler, égorger et détruire », vous savez, c'est des étapes. D'accord. Donc, il est fait en plusieurs étapes. C'est ça, d'accord. Donc, en fait, je suis dans une étape où le diable m'attaque de tous côtés. Voilà, en fait. D'accord. En fait, tu te retrouves en sandwich, attaqué de... Voilà, OK. Le diable m'attaque de tous côtés. Donc là, il est en train de voler. Voler ma joie, voler ma paix. Voilà, tout à fait. Voilà, voler ma stabilité. Mm-hmm. Et voilà, limite, voler même mon identité. Mm-hmm. Tout à fait, c'est vrai. Ah bah oui, parce que tu te dis finalement... Voilà, en fait, tu ne te rends même pas compte que tu te laisses glisser dans là où le diable veut que tu glisses. Voilà. Tu te dis, pourquoi ça m'arrive, voilà. Et donc, je suis dans cette période d'oppression, on va dire. Et puis, un matin, je me lève pour aller au travail, comme tous les matins. Mm-hmm. Et dans les soucis qu'il y avait, ma voiture du travail m'a lâchée. Mm-hmm. Alors que j'ai besoin... D'un véhicule, pour te... dans mon travail, j'ai besoin de la voiture, en fait. Oui, parce que tu te déplaçais beaucoup, la voiture me lâche. Donc, tu vois, il n'a pas été juste faire des petits bobos, quoi. Donc, un problème supplémentaire, quoi. Et donc, un matin, je me lève avec tous ces soucis. Mm-hmm. Et puis, je prie avant de partir au boulot. Donc, je me lève pour aller au boulot. Mm-hmm. Je prie. Donc là, je vais mettre un accent... D'accord. La prière avant de sortir de chez vous est très, très importante. Tout à fait. Parce que je te jure, Olga, je pense que cette prière, parce que ça, mais ça a été vraiment le sauveur. En fait, ça m'a sauvé, cette prière. Oui, le fait d'avoir invité Dieu dans ta journée a fait la différence. Voilà, a fait la différence. Mmh. Donc, ne sortez jamais de chez vous sans prier. Et c'est très important que tu le dises, parce que quelquefois... Les chrétiens que nous sommes, on se dit « Oh, Dieu sait, Dieu va me protéger », mais rien ne te... ça ne te coûte rien de présenter ta journée, de présenter ta maison, ta famille. C'est surtout que tu ne sais pas, Dieu sait toutes choses. Amen, amen, amen. Le Seigneur nous dit, vous ne connaissez pas votre lendemain, Dieu connaît ton lendemain. Amen. Il ne sait pas ce que tu vas rencontrer dans ta journée. Exactement. Donc, il veut que tu lui remettes ta journée pour qu'il puisse justement écarter tout ce que l'ennemi vient mettre comme obstacle. Tout à fait, que tu puisses passer... Voilà, dans ta journée, en fait. Donc, c'est très important. Donc, je prie, mais quelque chose m'interpelle. Je prie en langue, ce matin-là, pas comme je prie en langue d'habitude. Ça n'a pas duré longtemps, 5-10 minutes. Mais j'ai prié en langue, mais une prière poussée vraiment par le Saint-Esprit, Olga. Poussée par le Saint-Esprit. Je me suis dit, tiens, je n'ai jamais prié autant comme ça. Donc, je pars dans ma journée de travail. Mm-hmm. Et quand je pars, je sors tout de suite, j'ai une douleur qui me prend sous le sein gauche. D'accord. Mais tu sens comme une flèche. Parce que je ne me suis pas réveillée avec cette douleur. D'accord, mais tu l'as sentie au cours de et ta journée. Et je l'ai sentie quand je suis sortie de chez moi. Je sens une douleur. Oh, le diable est comme une flèche, tu vois, quand on voit et tout ça. Bon, je dis, c'est une douleur comme une autre, je continue ma journée. Voilà. Et la douleur, elle persiste. J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, je prends un doliprane pour que ça passe. Et la douleur, elle passe pas. Je suis au travail.
Et à un moment donné, je sens comme si je n'arrive pas à respirer. Tu te sens, ah, d'accord. Je me sens mal. Affaiblie, je me sens affaiblie. Mal à l'aise. Oh, je dis non, non, je ne me sens pas bien. Et tout de suite, j'ai eu le réflexe d'appeler mon mari. D'accord. Donc, je reviens encore à la prière de l'accord. Donc, j'appelle mon mari, je lui dis, je ne me sens pas bien. Et mon mari, tout de suite, a eu le réflexe de me dire, prions. Mm-hmm. Il était au travail aussi, prions. Et on a prié, même pas 5 minutes, hein, on a prié et tout ça. Dès qu'on a raccroché, donc j'ai raccroché, bon, au revoir, au revoir. Et là, je sens comme si je vais perdre connaissance. Tu as, voilà, tu vas perdre pied, même te... J'ai dit, non, je ne me sens pas bien là, je n'arrive pas à respirer. Et là, de plus en plus. Et donc, j'ai juste eu le temps de prendre le téléphone, d'appeler les pompiers. D'accord. Et leur dire, je ne me sens pas bien. Le temps que je raccroche le téléphone, il n'y avait plus personne. D'accord. Donc, et là, tu étais au travail. Là, j'étais au travail. D'accord. Les pompiers sont arrivés très vite, je pense. Très vite, parce que tout de suite après, j'entends de loin, on me dit, madame, madame, est-ce que vous nous entendez? Je les entends de loin. Est-ce que vous nous entendez? Et moi, dans mon inconscience, je m'entends prier en langue. Amen. Waouh. Alors ça, c'était incroyable. C'est fort, quoi. Ouais. Je m'entends prier en langue. Mon esprit prie en langue. Je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue. Et je vois un voile noir, qui, comme un tissu. Qui tourne, mais qui n'arrive pas jusqu'à moi. Et puis, plus rien. Je me retrouve à l'hôpital. Donc, aux urgences, à l'hôpital. Donc, je me réveille. Donc, je me réveille avec l'oxygène, le masque d'oxygène. D'accord. Et donc, quand tu te retrouves à l'hôpital, parce que si on a bien compris, oui. Entre le temps où les pompiers te prennent sur ton lieu de travail, oui. Et l'hôpital, tu es inconsciente. Je suis inconsciente. Donc, tu te réveilles à l'hôpital, comment tu te sens? Ben, je suis paniquée, j'ai peur. Je dis, pourquoi je me retrouve ici? Je les regarde, parce que j'ai un masque d'oxygène sur moi. Je leur dis, qu'est-ce qui m'arrive? Ils me disent, madame, bougez pas, parlez pas beaucoup, parce qu'on est en train de faire des examens. En fait, on ne sait pas si vous êtes en train de faire un AVC ou une crise cardiaque. D'accord. Donc là, on est en train de... Calmez-vous, madame. J'ai dit, quoi? Et donc, ils m'emmènent dans une salle et tout ça. Ils essayent de me calmer et tout. D'accord. Ça, tout ça. Et là, il y a des examens. Et donc, a... les examens arrivent. Donc, ils me font le diagnostic et tout ça. Et puis, après, donc, qui m'ont ausculté, il me dit, ben, le médecin me dit, en fait, vous avez une tension qui a monté. Votre tension, elle a monté. Du coup, il faut vraiment que vous allez voir votre médecin parce que ça ne va pas du tout. Donc, eux, ils ne t'ont rien donné. Ils m'ont rien donné. Ils m'ont dit, rentrez chez vous, c'est votre tension qui a monté. Reposez-vous, voilà, soyez reposez-vous, au calme. Soyez au calme. Ils m'ont posé des questions, est-ce que vous étiez stressée? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, tout ça, tout ça. Entre-temps, mon mari appelle. C'est les pompiers qui les répondent, quoi. Donc... J'imagine qu'il a eu peur, il a dû se dire, mais déjà... parce que lui, donc, il a appelé pour savoir si j'allais mieux, en fait. Mais dans les minutes qui suivaient, quoi. Et là, il se retrouve au téléphone avec les pompiers. Il se retrouve au téléphone avec les pompiers. Ça a dû être aussi particulier pour lui en se disant, mais... Je pense, ouais, voilà. Il a dû avoir peur, il a dû se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et les pompiers l'ont dit, ben, monsieur, venez vite, parce qu'on a emmené votre femme aux urgences, quoi. Donc, il me rejoint aux urgences et tout ça. Et puis, bon, ben, on rentre à la maison. C'est un vendredi. Donc, c'est un vendredi, je rentre à la maison. On me dit, ben, lundi, il faut que vous allez voir le médecin. Donc, je rentre. Et quand je rentre, Olga, je sais que j'aurais pu ne pas rentrer ce jour-là. Tu réalises la grâce de Dieu sur ta vie. Je réalise que j'aurais pu mourir. Tout à fait. Ce jour-là. Tout à fait. Laisser ma famille. Oui, parce que c'est allé vite. Et en plus, tu as été surprise. Et là, tu te rends compte, en fait, que n'eût été la grâce de Dieu. Ah oui, Je serais plus. Donc, je suis venue dire à quelqu'un, détecte là où l'ennemi t'attaque. Amen. Et pose-toi. Amen. Amen. C'est pas la peine d'essayer de porter. Oui. Ce que l'ennemi ressasse autour de toi. Mais comme on a toujours l'habitude de dire avec Olga, cours aux pieds de Jésus. Amen. Dépose ses fardeaux. Amen. Parce que c'est Jésus qui porte. Amen. Moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai porté toutes ces oppressions.
Voilà, tout, voilà, tous ces soucis, tous ces... Je priais, mais je ne déposais exactement. Pas. Parce qu'il y a prier et je prie, je dépose. Voilà. Et c'est Jésus qui porte. Tu portes, voilà, sur la grâce. Et bien sûr, c'est Jésus qui est au contrôle de toutes choses. Et donc, je rentre tout de suite. On a eu le réflexe avec mon mari de s'agenouiller, de rendre grâce à Dieu, parce que je viens de me rendre compte que Dieu vient de me sauver. Voilà, et que tu viens de loin. J'aurais pu mourir ce jour-là, parce que j'ai vu la mort. J'ai vu la mort. Et cette prière en langue intercédée à l'intérieur de moi, donc tu comprends que la prière de la prière en langue du matin, voilà, m'a poursuivi. Exactement, toute la journée. L'Esprit de Dieu m'a poursuivi et a continué à intercéder. Et là, je pense que c'était pour dire stop. Parce qu'il faut que vous compreniez que quand vous priez en langue, c'est le Saint-Esprit qui prie au travers de vous. Amen, amen, voilà. Donc, je rends grâce à Dieu. Et puis, donc, voilà, je dors. Il est samedi matin. Je n'arrive pas à me lever de mon lit. Je suis raplapla. Je ne sens pas mes jambes. Je ne sens pas mon corps. Je me sens comme vidée de moi-même. Et là, j'ai le cœur qui palpite, C'est mon mari qui me prend pour m'emmener aux toilettes, qui m'accompagne. J'ai besoin de voilà, d'avoir un appui pour pouvoir... Je me sens bizarre. Se déplacer. Voilà. Donc, le week-end est passé comme ça. Dans tous les cas, on s'est dit, repartir aux urgences, il va encore nous dire, repartez voir votre médecin, de toute façon. Tout à fait. Donc, on a attendu lundi. Lundi, je vais voir le médecin. Qui donc m'ausculte et puis après il m'annonce que ben Madame Pondieu, en fait là vous faites de la tension artérielle très sévère, donc je vais devoir vous mettre sous traitement. D'accord. Mais le traitement sera à vie. Et là comment tu réagis? Je le regarde, je dis comment? Il me dit c'est un traitement à vie. J'ai dit non, Olga, j'ai même pas la quarantaine, je suis dans la trentaine. J'ai dit non. Il me dit si. Et il me regarde en me disant si sévèrement, en me disant, écoutez, soit vous prenez le traitement, soit vous ne le prenez pas. Mais je vais vous dire ce qui, vous a, ce qui va vous arriver si vous ne respectez pas là, votre médication. Là, c'est AVC tout de suite. Ah, oulala. Ah oui, il m'a dit ça comme ça. Oulala. D'accord, j'avale la pilule, puis j'ai dit OK. Donc, je prends le médicament. À l'époque, je n'ai pas l'enseignement de refuser. Ouais. J'ai pas l'enseignement de refuser. Non, je suis dans qu'est-ce qui m'arrive. Mais parce que la marche aussi avec Dieu, c'est une école, on apprend au fur et à mesure. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et donc, voilà, on prend ce traitement. Je dis, OK, Seigneur, c'est toi qui as fait les médecins. De toute façon, je vais prendre ce traitement. Voilà, tout à fait. Et donc, je rentre à la maison. Voilà, je me sens pas bien et tout ça. Et puis, c'est aussi décourageant. Ce n'était pas une nouvelle encourageante. Ah oui, je suis déçue. Et donc, ta réaction quand tu rentres chez toi, je suis déçue. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Démoralisée. C'est quoi, en fait, et tout ça. Et du coup, vous savez, ça m'a pris beaucoup de temps pour me relever de ça. Oui, bien sûr. Donc, je me mets en arrêt maladie parce que je me sens vraiment pas bien, au point où, en fait, c'est quelqu'un, une maman de l'église qui venait à la maison pour m'aider à me faire à manger et tout ça. J'étais tout le temps couchée, en fait. Fallait vraiment un gros repos. En fait, tu avais besoin d'un soutien extérieur. Oui. Donc, comme mon mari, fallait qu'il continue à aller travailler, c'est une voisine qui venait pour accompagner mon fils à l'école. Wow. Parce que mon fils, ce que j'ai oublié de signaler, c'est que quand ça m'arrive, mon fils a moins de 10 ans, il avait entre 7 ou 8 ans. Et donc, bien sûr, quand tu me posais la question, quand je me retrouve à l'hôpital, comment je me sens, j'ai peur, je pense à mon fils. Mais surtout, je me dis, waouh, l'ennemi aime recommencer. Oui, parce que tu as failli mourir. J'ai failli mourir, puisque moi, je perds ma mère, j'ai 7 ans. Ouais, ça t'a fait... Voilà, donc ça m'a fait rappeler ça. Et là, je pense que le Seigneur a dit... Tu ne reprendras pas ce que tu as fait. Parce que je vais vous dire une chose, la détresse ne revient jamais deux fois dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Donc, je perds ma mère, moi j'ai 7 ans,
moi, ça m'arrive. J'ai, oui, j'ai la trentaine, puisque ma mère meurt donc dans l'âge voilà, de 30 ans. Quoi. Donc, elle est partie très voilà, tôt. Donc, l'ennemi aime recommencer, mais il ne faut pas lui donner le droit de recommencer tout dans fait. Votre vie. Et donc, c'est une voisine qui vient pour prendre l'enfant, pour t'aider, pour te... accompagner à l'école. Deux fois, c'est mon mari et cette maman qui venait... vraiment que j'ai fait un petit coucou maman Ouga qui m'a beaucoup beaucoup soutenue pendant ces temps là maman Ouga que Dieu te bénisse Ouga, si ouais, tu suis Dieu, la vidéo que Dieu la bénisse et puis voilà et donc je suis dans une période où donc je suis devant cette montagne il faut que je traite cette montagne j'ai rien à faire qu'à me mettre devant le Seigneur. Devant le Seigneur, mais devant les enseignements. Je tout à suis fait. Allée Amen. Décortiquer Amen. Toutes les en, tout, tout, tous les enseignements qui parlaient de la guérison divine. Amen, amen, amen. Et donc, amen. Je passais toute ma journée à donc, écouter. Donc, en fait, écouter, tu as mis en place tout un... Je ne vais pas dire un rituel, mais... Tout un programme. Un programme d'attaque. Voilà. Tout un programme. Parce qu'il était hors de question... Que tu acceptes et que tu dises bon ben à vie comme voilà ça. C'est à vie voilà, bon ben donc j'ai écouté les enseignements et c'est dans ces enseignements là que j'ai appris à refuser la maladie. Amen. J'ai écouté cet enseignement de Jérémy Soundril qui disait refuse la maladie voilà et donc j'écoutais cet enseignement tous les jours en proclamant ce qu'il disait dans cet enseignement. Je disais je refuse la tension artérielle, je refuse la tension artérielle. Et vous savez ce que je faisais? Je prenais le traitement tous les matins. Il fallait le prendre le matin. Et je parlais à ce médicament. Et je disais, je raccourcis le temps de ta vie dans mon corps. Amen. Je raccourcis le temps de ton existence dans mon corps. Amen. Et je disais, le sang qui coule en moi, Carole, n'est plus le sang de mon père, n'est plus le sang de ma mère, mais c'est le sang de Christ. Yes. Et le sang de Christ, il n'y a pas de tâche, il n'y a pas de maladie. Ce Amen. N'est plus le sang de mes parents, Amen. C'est le Amen. Sang de Christ. J'ai Amen. Choisi Christ, Olga. Amen. J'ai choisi Christ. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'il faut... Se connecter par la foi à la parole de Dieu. Et c'est vraiment intéressant et important ce que tu dis. Parce que la parole, la Bible dit la parole est vivante. Oui. Et efficace. Ah oui. La parole est vivante. Je dis Amen parce que moi j'ai Amen. Vécu. Alors continue là. Donc je parlais comme ça, je parlais. Waouh. Voilà. Et puis toujours. Voilà, c'est pas venu tout de suite. Hein. J'ai pris 2 mois pour me relever. Donc 2 mois, c'est pas 2 jours, c'est pas 2 semaines. Oui, de te relever de ce temps difficile de fatigue là, où oui. tu étais assistée. Ça a duré longtemps. Oui, c'était lent. Il y en a qui vont dire, mais c'était que 2 mois, mais c'était lent pour moi. C'était comme sûr. Si c'était 2 ans. Mais oui, voilà, parce que pour la personne active que tu étais, oui. c'est sûr. Être vivre au ralenti, oui. être assisté, ce n'est pas facile. Non, parce que surtout quand tu es une personne active et du jour au lendemain, paf. C'est ça. C'est donc ça. Vous avez compris que l'ennemi était venu pour m'arrêter dans mon élan. Et vous savez comment il a fait? C'est pour ça que je viens pour vous dire, regardez bien, visualisez ce qui se passe autour de vous et ne laissez pas que l'ennemi vienne vous voler votre joie, voler votre paix. Parce que si seulement voler il réussit santé. À voler ta paix, à voler ta joie, il a réussi à voler ta force. Et que cela n'arrive pas voilà. au nom il de a Jésus. Réussi à voler ta force. Donc visualise ce qu'il est en train de faire. Et commence à traiter ça et dire tu ne me voleras pas. Amen. Parce que moi il m'a Amen. Volé, tu vois, et puis paf égorger et détruire pour venir justement voilà, c'était prendre le... mon âme et tout ça. Et donc par la grâce de Dieu, donc ça allait, je prenais le traitement et tout ça. Donc 3 ans passent. 3 ans, c'est beaucoup, hein, Olga. Oui, c'est beaucoup. Ouais, mais bon, ans. Par rapport à la durée. Ouais. Oui. 3 ans passent et un jour, vous savez, je vous ai donné mon témoignage de comment Dieu m'a guéri de 10 ans de stérilité. Dans ce malheur de voilà, ben, est né mon bébé miracle, en fait. Tout à fait. Est né mon bébé miracle. Parce que donc...
quand 2 mois passent de maladie, je suis dans la convalescence et tout ça, je me sens fatiguée, mais en fait, je suis enceinte. Mais je suis vers la fin de la maladie, là. Je suis enceinte. Mmh. Et voilà, donc j'ai un bébé et tout ça. Tout s'est bien passé, j'ai passé une bonne grossesse. Et donc, un matin, 3 ans après, un matin, je ne me sens pas bien. Mmh. Tout d'un coup. Et je suis avec ma fille à la maison, il n'y a personne, mon mari au travail. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive encore? Pourquoi je ne me sens pas bien? Et je sens comme si je m'étouffe. En fait, le même malaise. Alors là, je regarde la petite. Et donc, j'ai eu le réflexe d'aller sonner chez la voisine. Qui était là. J'ai dit vraiment, est-ce que tu peux venir m'aider? Donc, la voisine, c'était Véronica. Donc, je coucou, fais un petit Véronica, coucou, Véronica. Demeure bénie. Voilà. Donc, je lui dis, je ne me sens pas bien. Est-ce que tu peux venir m'aider? Donc, elle arrive. Elle me dit, oui, allonge-toi et tout ça. Et elle a l'appareil. Elle avait l'appareil de tension qu'on prend au oui. bras mm-hmm. et tout ça. Donc, elle me prend la tension. Elle me dit, par contre, ta tension, elle est basse. C'est curieux. Tu faisais de l'hypertension. Oui, donc, je faisais de l'hypertension. Mm-hmm. Mais ta tension, elle est basse et tout ça. Attends, je vais appeler les pompiers. J'ai dit, non, on ne va pas appeler les pompiers. Je vais appeler une amie qui est dans le secteur, et puis elle va m'emmener aux urgences, quoi. Donc, est-ce que tu peux rester avec la petite? Donc, j'appelle la copine qui vient me prendre, paf, m'emmène aux urgences, et tout ça, j'arrive aux urgences, il m'ausculte, il me dit, mais madame, votre tension, elle est vraiment très basse. Vous prenez un médicament? J'ai dit, oui, je prends le médicament, donc voilà, je donne le nom et tout ça. Elle me dit, ah oui, par contre, repartez voir votre médecin, parce que votre tension est trop basse, en fait. Encore un vendredi. Décidément. Donc, le diable est venu m'attaquer un vendredi. Dieu a piqué. Dieu aussi est venu en vengeance un vendredi. Amen. Donc, vendredi, je rentre chez moi. Bon, OK. Et lundi, je vais voir le médecin. Effectivement, il me dit, mais ouais, votre tension, elle est basse et tout ça. Bon, vous savez ce que vous allez faire? Rentrez chez vous, prenez votre tension matin, midi, soir pendant 3 jours. Vous notez sur une feuille et après, vous revenez me voir. D'accord. Et là, par rapport à la médication, qu'est-ce qu'il préconise? Pour voir si ma tension va monter, va baisser, pour voir la stabilité de... Oui, mais est-ce que tu continues à prendre les médicaments? Non. Ah, d'accord, donc... Non, il me dit, vous ne prenez pas le médicament. OK, d'accord. Et vous prenez votre tension. OK. Vous surveillez, quoi. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça devient intéressant, là. Je sors de là, Olga. Je savais. Yes. Dieu m'avait visité. Alléluia. Et j'arrivais pas trop à savoir comment, mais je savais que quelque chose allait se passer. Quand le médecin me donne 3 jours, moi, je prends ça comme une opportunité. Amen. Eh, que Dieu vous donne des opportunités. Yes, que Dieu vous donne. Sur lesquelles vous allez rebondir. Amen. J'ai dit, j'ai 3 jours pour traiter avec cette maladie. Amen. Et partir de mon corps. Dans le nom de Jésus. Je suis rentrée, j'ai réécouté la prière de refuser la maladie. Et j'ai dit, je refuse. Maintenant, tu pars. Tu sors de mon corps, tension artérielle. Amen. Je lui parlais comme si Amen. Je te vois là. Alors, j'ai si, dit, quelqu'un, si quelqu'un a une quelconque maladie, connectez-vous avec ce témoignage. Ils l'ont vaincu. Amen. Avec le sang de Jésus, avec le oui. sang de Jésus et la parole oui. de leur témoignage. Donc connectez-vous et attendez-vous à ce que Dieu fasse quelque chose. Amen. Alors Carole, ah, continue, oui. parce que c'est fait, intéressant. Et... Les maladies, c'est des esprits. Il faut les parler. Ils ont des oreilles, ils entendent. Mm-hmm. J'ai dit, tu pars, tension artérielle. Tu pars de mon corps, parce que je sais aussi que c'est une arme qui est dans ma famille. D'accord. Donc, l'ennemi aime bien aller dans les générations. Mais bien sûr. Et comme il y avait déjà mon père, une porte du côté de ma mère, c'est ça. Comme dirait mon mari, lors de son émission, il a dit, regarde dans le rétroviseur. Mm-hmm. J'ai regardé dans mon rétroviseur d'où je viens et je sais que c'est une maladie familiale. Amen. J'ai dit, tu rentreras pas dans Amen. Ma génération ni dans les générations. Dans de mes enfants. Voilà. Et donc, pendant 3 jours, je prends ma tension est toujours... Basse. Et je parle à ma tension. Et je dis, tu vas pas remonter ni descendre, tu vas rester là où tu es. Amen. Il faut ordonner vos prières. Amen. Et dites ce que vous voulez voir. Les voir.
Et c'est ce qui s'est passé. Amen. Je suis repartie 3 jours après chez le médecin. Très bien, ça c'est la partie qui nous intéresse. Donc je repars, et puis le médecin me regarde, Olga. Mm-hmm. Il me dit, c'est un médecin. Waouh, Madame Pondy, c'est un miracle. Alléluia. Vous venez d'être guérie de la tension artérielle. Je le regarde, je dis, ah bon? Amen. Le même médecin qui m'avait dit qu'on ne peut pas arrêter le traitement, il me dit... Je suis dans l'obligation de vous arrêter. Comme quoi, le Dieu de miracles a tranché. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de miracles a tranché. Le Dieu de miracles a tranché. Oh, la main de Jésus a parlé. Amen, 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 amen. Waouh, waouh, waouh. Je bénis le nom du Seigneur et parce donc, que... Il me dit ça et puis moi, je cherche à comprendre. Je dis, mais comment ça se fait? Il me dit, en fait, le médicament que vous prenez, votre corps l'a rejeté. Yes! J'ai dit, d'accord, ça, c'est la prière que je faisais. En disant que j'abrège... J'abrège ton temps dans mon corps. Amen. Et mon corps... à écouter pendant 3 ans cette même parole que je proclamais tous les jours, Olga. À la fin, le corps a rejeté. Amen. Puissant témoignage. Le médicament. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, ça fait 7 ans. On bénit le nom du Seigneur. Le Seigneur m'a guéri. Amen. Donc on bénit vraiment le nom du Seigneur. Alors, nous arrivons à la fin de l'émission, mais tu ne vas pas t'en tirer comme ça, oui. Carole, parce qu'il y a des personnes qui nous suivent. Oui, bien sûr. Qui ont la tension artérielle, mais oui. Pas que. Alors, qu'est-ce que tu peux, de par ce que tu as traversé, que tu as partagé et traversé, qu'est-ce que tu peux leur dire? Et je te laisserai la prière de la fin, afin que vraiment, mm-hmm. que Dieu, au travers de ta prière, se souvienne et agisse, oui. Et tranche, amen. Dans le cas de ceux qui nous suivent. Amen. J'aimerais juste souligner que moi, dans mon cas, j'ai eu besoin d'une parole. Amen. J'ai dit, Seigneur, quand j'écoutais les enseignements, ils disaient beaucoup, il faut lire la Bible, amen. Amen. Il faut rentrer dans la parole. Et vous savez, quand vous êtes dans un temps de fatigue, de maladie comme ça, le corps vous lâche. Mm-hmm. Et Dieu merci pour la Bible audio. Amen. Donc, je mettais beaucoup la Bible audio. Mm. J'écoutais. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, il faut que tu me donnes une parole sur laquelle je veux me tenir. Et Dieu m'a donné le psaume 91. Amen. Puissant psaume. Puissant. Et donc, je lis, je fais passer le psaume 91 tous les jours. La parole n'est pas descendue tout de suite. La parole que j'avais besoin d'entendre, que mon esprit avait besoin d'entendre. Mm-hmm. C'est au bout de quelques jours, vers la fin du psaume 91, il dit, je te rassasierai de longs jours. Amen. J'ai dit quoi? Yes. Tu me rassasieras de longs jours. Donc, je ne vais pas mourir aujourd'hui. Alléluia. Je ne mourrai pas demain. Yes. J'ai encore des longs jours. Et le Seigneur dit qu'il me rassasiera de ces jours-là. Donc, c'est avec cette parole que tu t'es que tenue. J'ai dit, yes. Tension artérielle, tu n'as pas le droit d'être dans mon corps. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel parce que la parole de Dieu me dit, il me rassasiera de longs jours. Donc, amen. Cherchez une parole sur laquelle vous allez vous tenir. Et que le Seigneur vous visite. Amen. Alors, je vais prier. Parce que je sais qu'autour de nous, et même autour de moi, beaucoup de gens souffrent encore de cette maladie avec un traitement à vie. Je suis venue avec le Dieu qui m'a sauvée. Amen. Son nom est Jésus. Amen. Je suis venue avec le Dieu de l'impossible. Alléluia. Son nom est Jésus. Amen. Il peut encore le faire dans amen. Votre vie. Et vraiment que le Seigneur vous visite. Amen. Père, je prie dans le nom de Jésus. Alors que, Seigneur, tu m'as visité il y a 7 ans. Et tu m'as guéri de la tension artérielle. Alléluia. Seigneur, je prie pour la tension artérielle, mais je prie pour vraiment toute personne qui sont attaquées dans leur santé avec des maladies incurables. Mmh. Le médecin vous a peut-être dit que c'est impossible. Mais le Seigneur
qui m'a sauvée, Jésus. Je prie au nom de Jésus qu'il vous visite. Alléluia. Je prie la grâce de la guérison divine. Seigneur, nous voulons Seigneur, te voir. Sur toute personne Amen. Qui va regarder Amen. Cette émission. Et Seigneur, donne-leur selon les besoins qu'ils ont, Jésus. Père. Au nom de Jésus. Jésus, tu es venu à la croix pour nous sauver. Et tu as dit une chose, tout est accompli. Amen. Et tu as dit, celui qui croira en moi sera sauvé. Je prie, Seigneur, que le salut rentre dans les cœurs. Au nom de Jésus. Que les gens croient que tu es le seul sauveur. Au nom de Jésus. Et Seigneur, donne la guérison. Touche mon frère, ma sœur qui me regarde, Père éternel. Et donne-leur aussi ce témoignage, Père. Seigneur, si tu l'as fait pour moi, tu peux le faire pour eux. Je prie cette prière dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vous visite maintenant. Et que l'onction de la guérison qui a été posée sur ma vie pour être guérie de cette maladie soit déposée dans vos maisons. Amen. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Mais merci, Carole, pour ce témoignage merci, puissant. Amen. Et nous bénissons le Seigneur de ce que vous avez aussi suivi ce témoignage. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Et que le shalom de Dieu soit dans vos maisons et vos familles. Alléluia. Au revoir, Carole. Au revoir, Olga. Alléluia. Le Dieu de miracles a tranché. Le Dieu de miracles a tranché. Le Dieu de miracles a tranché. La main de Jésus a parlé. Le ciel est ouvert sur
Amen. Alléluia. Amen. Visite ce peuple, Jésus. Alléluia. Visite ce peuple, Amen. Jésus. Tu es le Dieu de miracles. Et dans leur miracle. Alléluia. Que le Saint-Esprit te visite. Nous attendons à toi, Seigneur. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Au milieu de ce peuple. Merci, Jésus. Alléluia. En tout cas, la présence de Dieu est là. Nous sommes venus avec le Dieu du lieu secret. Amen. Alléluia. Ce Dieu que nous avons invoqué, Olga et moi, et qui nous a visités. Et c'est ce même Dieu qui te touche maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le Dieu du lieu secret. Le Dieu du lieu secret.